Il faut respecter tous ses adversaires et ne jamais juger un livre à sa couverture. Une leçon que ce combat m'a apprise, les gars. J'étais en ceinture blanche, finale de Coupe de France, et je vois mon adversaire, je me dis qu'il est assez petit, assez frêle. Bon, je lui manque de respect, je commence à lui pousser la tête fort une fois, deux fois. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est tranquille, le combat, il va être géré. Mais là, boum, première attaque que je lui fais, je vois qu'il est hyper gainé, les gars. C'est une dinguerie. J'ai carrément pas réussi à le ramener au sol. Là, dans ma tête, je commence à me dire, ah ouais, c'est bizarre. Bon, je continue, je tente un balayage, boum, je réussis à le ramener au sol, il se relève direct. Je prends sa jambe, quand j'essaie de le ramener, moi-même je tombe, je me dis, je suis choqué les gars. Boum, il essaie de me ramener au sol, boah, il a presque réussi. Et là, mentalement, les gars, je vous jure que je commence à lâcher, je me dis, c'est pas possible. Bam, il va sur une amener au sol, il me ramène, je me relève, mais il est hargneux de ouf les gars, il lâche pas, il continue à pousser, il continue à pousser, je défends, et là, boum, je tombe, écoutez ce que mon coach me dit les gars. Parce que tu dors, là, tu te relâches, tu dois avancer sur lui. J'étais brisé mentalement et il a vu, mais bref, du coup.